Salut à tous, c'est Itachi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter Portable Third HD. Alors aujourd'hui je vais vous proposer la deuxième quête DLC basée sur le thème de Metal Gear Solid et qui nous permet notamment d'avoir l'accoutrement que moi et Astrom portons au moment où on fait cette vidéo. C'est le skin en fait de The Boss, qui est un personnage donc de Metal Gear Solid qu'on voit notamment dans Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Et donc alors ça va être une quête avec un monstre que j'ai pas encore montré. Oups, je me suis trompé. Qui s'appelle le Doburaboka. Si je dis pas de bêtises, hein. Encore une fois, les noms sont en japonais, j'ai vraiment pas l'habitude de les voir, mais je crois que ça s'appelle Doburaboka, ça doit être ça. Voilà, donc c'est sa petite icône, ça se passe dans le désert. Alors Astrom, il est en train de me parler de je ne sais quoi, je verrai ce qu'il est en train de me dire après. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est la quête. Parce que là, j'ai un peu en train de faire une vidéo. Alors, dans mes objets, bon, j'ai rien pris de... Enfin si, j'ai pris un truc de particulier, c'est les bombes soniques. Parce que c'est un ennemi qui passe dans le sol, donc on va pouvoir les utiliser pour le faire dégager. Et aussi j'utilise cette fois-ci la grande épée, la Great Sword si vous préférez, qui est une arme que je n'ai pas encore utilisée dans les vidéos précédentes. On va lire ce qu'il est en train de raconter. Il est en train de se poser la question si les ennemis ont plus de PV lorsqu'il y a plus de joueurs. Alors moi je pense pas. Mais allez, c'est parti. Alors j'espère que j'ai pas oublié mes breuvages frais. Waouh. Alors ouais, surtout regarde. Alors pour ceux encore une fois qui connaissent l'univers de Metal Gear Solid, peut-être qu'ils entendront les sons. Attendez, je vais booster le son. C'est exactement les mêmes sons là quand j'utilise les items que dans Metal Gear Solid. Voilà. Bon, c'était juste pour le petit clin d'œil. Je vais rebaisser le son. Jack. Allez, c'est parti. Donc là je suis encore j'ai encore la chance d'atterrir dans une zone avec les objets à récolter, sauf que j'ai pas de pioche. Allez, c'est parti, on va aller dans le désert pour aller trouver l'ennemi en question. Alors je précise tout de même que l'ennemi qu'on va voir là, en fait il est 4 fois plus gros que la taille normale, hein. Il est un peu plus gros du fait que ce soit une quête spéciale. Mais normalement il est 4 fois plus petit en fait. Alors dans les talents de cette armure, cette armure de The Boss, y a notamment la possibilité de voir directement l'ennemi sur la carte, hein, vous pouvez voir là-haut. J'ai pas besoin de le marquer en fait pour le voir. Je le vois systématiquement. Je crois que c'est le talent psychique, si je dis pas de bêtises. Et j'ai un autre talent aussi. Qui permet trop marrant le petit ting. J'ai un autre talent en fait qui permet de mettre moins de temps pour charger par exemple le marteau ou charger la grande épée. C'est pour ça justement que j'ai pris la grande épée. Donc, vous allez voir quand je vais charger mon épée pour le taper, ça va mettre moins de temps que d'ordinaire. Hop. Oui, absolument énorme. Il est peut-être même plus gros que les dragons anciens. Oh vas-y quoi, tu m'as même pas touché. Cheater va. Cheater, arrête de cheater. Allez. Et puis bon, c'est fin. En plus la map est absolument énorme. Lui aussi il est énorme. Alors du coup on met une plombe pour aller le chercher. Ah, un bidon qui a pas pété ici, c'est dommage. Ça aurait pu faire du dégât. Allez, je vais essayer de faire une attaque chargée. Non, je vais me prendre un... Voilà, il a pété des oreilles. Enfin, pété des ouïes plus exactement. Allez, monte ta tête là. Non.
Parfois il ressort un petit peu. Attention. Oh, regardez. Bien joué Astrom. Bon gosse. Ah, il s'est bien fait foncer. Ah là, j'ai réussi à charger. Oh, c'est dommage, j'ai pas réussi à le toucher. Waouh. Là encore eux que j'ai bloqué avec mon épée. Ça aurait été chaud tout de même. Oh là 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 là. Il fait vraiment tout l'écran. Hein. Quand on est près de lui, en plus, on voit vraiment rien. Tellement il est énorme. Alors je vais me replacer voilà sur les bombes soniques. Alors regardez, quand on utilise une bombe sonique, il fait ce saut là. Ah là là, je me suis loupé. J'aurais pu lui faire une attaque chargée, c'est pas grave. Où est-ce qu'il est? Ah, il y a. Hop. Tchac, attention. Voilà, il faut se pousser parce que lui, il attend pas. Je vais ressortir sa tête et là, paf. Ça, c'est vraiment le truc nickel à faire. Oh, vas-y, quoi. Il est où? Un gros truc comme ça, j'arrive à le perdre. Allez, là. Waouh. Bon, là, ça va, il a fait juste une course. Parfois, il fait trois courses d'affilée comme ça. Un petit peu chiant, d'ailleurs. Quelque part dans le coin, calmos. Hop. C'est bon. On va se décaler un petit peu. Je sais pas si on peut le flasher celui-là. Parce qu'il a les yeux un peu mal placés. Ça va être méchant. Je crois qu'il va changer de zone. Ah non, non. Il est là. Ah, il est là-bas. Parce que j'ai le son qui est pas très très fort dans les oreilles, alors du coup j'entends pas trop sa position. Ah bon, je me suis pris son jet de sable, mais c'est pas grave. Enfin, c'est un petit peu chiant parce que je crois que ça m'a altéré ma vigueur. Hop. Bah voilà, ça fait consommer ma vigueur un peu plus vite, je crois. Waouh, oh bordel. Oh, il est super rapide par moment. Où est-ce qu'il est? Eh bien là que... Non, 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 viens pas. Jack. Allez, il faut que je repasse encore sur les bombes soniques. Par contre, c'est super chaud pour lui faire péter un bidon dessus. Waouh. Il a bouffé le bidon ou j'ai rêvé? Là, je sais pas, j'ai pas pigé. Hein. C'est quoi ça? Eh? Attendez! Ah non! Oh, c'est pas vrai! Il y avait un. C'était quoi ce truc là? J'avais une petite icône? Ah, c'est pas vrai! J'avais jamais vu ça. Je crois que c'est avec la bombe sonique, je sais. Oh, je sais pas. Parce que j'ai pas d'autres items. On aurait dit un truc. Une interaction avec lui, mais... Oh, j'espère qu'on va pouvoir le refaire. Ce serait sympa de voir ce qui se passe. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, normalement, il est là en train de bouffer un petit rhino. Un rhino plus, je crois que ça s'appelle. Alors, je sais pas, il avait la gueule ouverte comme ça. Regardez, hop. Je suis en train de le pêcher. Non, non. Allez. Énorme. Ah, on peut lui tirer peut-être sa petite glotte. Ah, je l'avais jamais fait ça. Putain, décidément, ce jeu, il ne cesse de me surprendre. Non. Ah non. Je me suis loupé. J'avais vu un petit peu tard qu'il allait péter des ouïes, comme je dis. Allez, on va repasser sur les bombes soniques. Où est-ce qu'il est? Oh, justement, il est en dessous.
Hop, il va sortir là. Et là, je vais me positionner. Ah bah regardez, de toute façon, il est... Ah, tu l'as pas aimé, ça, hein. Il va péter. Voilà, il va péter. Bon, c'est pas grave. Je me suis pris les dégâts, mais il est tellement énorme. C'est assez difficile d'anticiper. Non, là, il est pas sur moi. Je vais en profiter pour me soigner. Comme ça, je serai full. Voilà. Il a les pattes dans le vide. Oh, d'accord. Je pensais être un petit peu sur le côté, un peu à l'abri, mais non. Waouh, waouh, waouh. Voilà, garçon. Voilà. Ah, nickel. Quel bon timing là, franchement. En toute modestie, bien évidemment. Voilà, il est parti sur Astro qui a joliment envolé. Hop. Ah, c'est pas vrai, là j'ai été un petit peu trop tôt. Ça arrive même au meilleur. Wouhou! On se calme! Alors, essayez de casser sa face là. Ah! Ah non, je peux pas le pêcher tout de suite. Je pense qu'il faut le flinguer encore un peu. Ah, on n'a pas réussi à le flinguer pour le. Ah! C'est vrai que c'est une arme assez lente, la Grid Sword. C'est pas toujours évident. Désolé. Ah non. J'ai oublié d'appuyer sur R. Je suis en train de me taper des barres et du coup, je fais pas attention à ce que je fais parfois. Bon, ça va, de toute façon, il est pas très puissant en fait. Allez, on va essayer d'avoir le bon timing cette fois-ci. Ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. C'était limite, mais je l'ai eu quand même. Non! J'ai entendu sortir. Il est là. Allez, va falloir aller. Ah non! Ah, je savais pas qu'il a envoyé son... Oh, je savais pas qu'il pouvait envoyer son... Son jet de sable de ce côté, d'habitude il tourne toujours sa tête vers sa gauche. Je me suis bien fait avoir. Alors je vais penser quand même à aiguiser histoire d'être tranquille. Et on va essayer de lui caler un piège choc. C'est pas facile de l'avoir lui avec les pièges chocs. Faire que je bois. Bois. Mais non, mais attends deux secondes là. Je voulais boire un petit coup. Bien boire un petit coup à la maison. Alors là, je vais prendre. Ah non, je vais rien prendre du tout. Allez, on va essayer de poser un piège ici, mais c'est pas évident. Voilà. Ça va. Ça l'a fait. Ah, on entend des petits bruits de Metal Gear Solid là pour les connaisseurs. Attention, allez vite! Faut que je le pêche! Regardez! Allez! Je sais pas ce que je dois faire. J'appuie sur tous les boutons. En fait, je crois que c'est pour essayer de lui tirer sa glotte là. Parce qu'en fait, on peut la faire partir. Alors, soit en tapant dessus, peut-être en pêchant aussi. Ah!
Là, il est en train de boiter. Vous voyez comment il est en mode canard boiteux. Donc, il lui reste plus longtemps à vivre. Ouais, on va garder les bombes soniques, avec nous. Alors, normalement, il va s'enfuir vers... alors, je sais pas le numéro de la zone. Non ! Bordel ! Pour l'instant, il est pas prêt de s'enfuir, en tout cas. Je vais essayer de lui casser sa face. Oh là 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 là. Bon, c'est un peu moi qui me fais casser la face en fait. Normalement, oui, il va partir vers le chemin qu'on voit là au-dessus de ma tête. Voilà, c'est exactement ce que j'avais dit. Il est en train de partir ici. Il disparaît et en fait, il va aller se coucher en dessous. Alors, ce qu'on va faire avec Astrom, c'est qu'on va attendre un petit peu. En mode discret, mode Solid Snake. Enfin, mode The Boss plutôt. Avec même les titi chats qui sont en mode boîte. Alors le mien il est un peu en mode cercueil pour l'instant. Mais ça va venir. Hop. Allez, normalement il devrait être endormi. D'ailleurs je crois qu'on le voit, la petite icône qui est là-bas. La petite icône qui apparaît sur la map. Attendez, comment on fait pour faire des zooms? Voilà. Donc en fait on voit le petit bonhomme... On voit une petite bête rouge, je sais pas si vous la voyez. Et quand il est endormi, elle était bleue en fait. Oula, je fais n'importe quoi, moi je suis en train de regarder le plan qui est à droite. En train de s'enfoncer contre le mur, là je sais pas ce qu'il fait, il pète un câble. Allez vite, on va balancer ça. Voilà. Là, il est en train de gueuler, pas content. Et voilà, pas content. Moi je m'en fous. Alors cet ennemi là, je sais pas si on peut lui couper la queue. Hein, Enfin, sa queue, en fait, elle est toujours dans le sable. Donc, c'est assez difficile. Je sais même pas, d'ailleurs, si c'est possible, justement. Tac. Et voilà. Hop, on a pioché ce qu'il fallait à l'intérieur. Alors, il est plutôt beau, quand même, en fait. Il est beau sur le ventre. Et ce mélange de bleu et de jaune est plutôt classe. Mais à l'extérieur, moi, je le trouve plutôt dégueulasse. Et il est absolument démesuré. Oui, Astrom, on est des infiltrateurs. Donc voilà pour cette quête. Donc en faisant cette quête, on obtient des tickets qui nous permettent donc de faire cette armure de The Boss. Alors The Boss, donc pour les avatars féminins, et par contre pour les avatars masculins, c'est Solid Snake. Enfin, c'est Snake, celui qu'il y a dans Peace Walker, je crois. Alors, je connais pas tous les détails de la série Metal Gear Solid, mais les connaisseurs sauront duquel je parle. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. J'aurai encore d'autres quêtes à proposer avec d'autres armes et d'autres monstres. J'espère que vous aurez apprécié et à plus pour la suite.